Un rosier non remontant ne fleurit qu'une fois dans l'année, au cours de l'été. Un rosier remontant fleurit deux fois dans l'année ou propose une floraison étalée durant tout l'été. La taille de vos rosiers vous permettra d'obtenir ou de maintenir une forme équilibrée. Cette taille vous permettra également de rajeunir votre rosier ou éventuellement de vous débarrasser de problèmes phytosanitaires rencontrés en cours d'année. Enfin, la taille vous permet de garantir une floraison abondante et de qualité. Alors, on ne taille pas les jeunes rosiers lorsque l'on vient de les planter, on les laisse tranquilles au cours de leur première année de plantation. Les rosiers remontants seront légèrement rabattus avant l'hiver, puis taillés plus sévèrement au printemps, on parle alors de la taille élaborée. Les rosiers non remontants, quant à eux, seront taillés à l'automne, c'est-à-dire juste après leur floraison. Vous ne garderez que 5 à 7 branches jeunes et en bonne santé. Taillez toujours sur un œil orienté vers l'extérieur du rosier. Cet œil sera généralement le troisième en partant de la base, mais il peut s'agir également du deuxième ou du quatrième œil si celui-ci est mieux orienté. Vous supprimerez les gourmands un petit peu sous le niveau du sol si vous le pouvez. Ces gourmands se développent donc sous le point de greffe et leur feuillage est assez différent généralement de la variété qui est greffée au-dessus. Si vous les laissez se développer, vous obtiendrez des roses simples généralement. La plupart des rosiers polyanthas sont greffés, je crois, sur Rosa canina, c'est-à-dire de l'églantier. Et ce porte-greffe risque de reprendre le dessus et de supplanter la variété greffée. Bien, nous voilà donc en présence de trois rosiers de type polyanthe que je vais tailler. On est le 18 mars, ils sont déjà bien avancés. Il est encore temps d'intervenir néanmoins. Et on va procéder donc à la taille annuelle d'entretien de ces rosiers qui ont été un petit peu repris ces dernières années. Ils sont pas trop mal là dans l'état, mais ils ont quand même besoin d'une intervention. Et l'idée est de les rapprocher, bien évidemment, toujours de leur base et d'essayer de les rajeunir avec un minimum de branches conservées, de manière à assurer une floraison satisfaisante, voilà, pour cette année à venir. Donc l'idée, bien évidemment, et de débarrasser le rosier de quelques rameaux qui pourraient se croiser les uns les autres. Le bois mort, bien entendu, doit être supprimé également. Et on va essayer de rapprocher ce rosier de sa base. Voilà, conservant quelques rameaux. Voilà. Ça, je vais le supprimer. Alors, il faut pas avoir peur de couper, hein. On aurait tendance à penser que les tailles sévères peuvent être préjudiciables aux rosiers. Ça n'est pas le cas dans ce cas précis. Voilà. Je vais compter les yeux. Voilà. Troisième œil. Voilà. Bien orienté vers l'extérieur, de manière à ce que le rosier puisse s'évaser, hein. Voilà. Ce qui part à l'intérieur. Ici, un peu de bois mort. Donc je vais l'enlever. Je vais avoir besoin de l'autre sécateur pour ça. Voilà, c'est fait. On peut remarquer ici une branche parfaitement bien orientée. J'ai un œil ici au-dessous. Les yeux ne sont pas toujours démarrés, hein. Cet œil, en l'occurrence, il est dormant pour le moment. Mais on va quand même le conserver, il nous intéresse. Voilà. Alors, ces deux branches-là vont prendre le relais. Ça, c'est beaucoup plus vieux. Je ne le conserve pas. Voilà. Et on va continuer comme ça. Voilà. Sur l'ensemble du rosier, ce qui est à l'intérieur, je l'enlève. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est une branche chétive et qui part vraiment à l'intérieur du rosier. Ça ne m'intéresse pas non plus. De même que celle-ci. Voilà. On
On conserve celle-là. Ça, on enlève. Voilà. Ici, même chose. Hein. Ça, c'est plutôt intérieur par rapport à la branche qui est derrière. Donc, je ne garde pas. Voilà. Il faut que la lumière puisse entrer dans le rosier. Ça, on va garder. Voilà. Ça, on garde. Ça, je supprime. Voilà, je supprime parce que c'est plutôt chétif. Hein. C'est pas une branche bien constituée, bien forte. Bon, elle ne m'intéresse pas beaucoup. Elle portera probablement peu ou pas de fleurs, d'ailleurs. Voilà, petite branche à l'intérieur, j'enlève également. Celle-ci, elle m'intéresse beaucoup, elle est très bien. On va sélectionner un œil orienté vers l'extérieur. Il y en a un quelque part là, oui, ici. Et on taille, voilà. Alors, cette branche-là, je la conserve également. Voilà. Alors ici, il y a un choix à faire. Est-ce que je conserve ce rameau ou pas? Alors ça, c'est non. J'ai ces deux-là qui vont partir ici. Celle-là, ça va partir comme ça sur le devant. Est-ce que j'ai vraiment intérêt à garder ça? Bah oui, pourquoi pas, ça pourrait partir ici, sur le côté derrière, à condition de choisir un œil bien orienté. C'est ce que je vais faire. Voilà, donc c'est plus ou moins le troisième œil, hein, en fonction de son orientation. Ça peut être le quatrième ou le deuxième, sans problème. Hein. Voilà. Là, c'est très bien. Ça nous intéresse également. Ça peut être pas mal non plus, on va le garder, voilà. Alors, là, on va recouper comme ça. Voilà. Et ce gros rameau ici sur le côté, dans l'état, ne m'intéresse pas. Je vais le recouper ici. Voilà. De manière à bien rajeunir la plante. Voilà, alors concrètement, qu'est-ce que je viens de faire sur ce rosier? Je suis venu rabattre le bois le plus vieux au plus près de la souche, en conservant toujours la coupe sur un œil bien orienté vers l'extérieur du rosier, hein, de la manière à ce que celui-ci s'évase naturellement et que la lumière puisse bien le pénétrer. Cet œil sera préférentiellement le troisième œil, si c'est pas possible le second ou le quatrième, voire cinquième œil, hein, dans certains cas, pourquoi pas. Le tout, c'est que cet œil soit bien orienté. Il faut surtout pas que, et ça sera peut-être le cas malgré tout, j'ai un œil ici par exemple, il faudrait pas que ce soit celui-ci qui démarre et puis que ça part comme ça vers l'intérieur du rosier, auquel cas ça sera rectifié par la taille de l'année prochaine, c'est pas très grave, hein, à condition de les suivre bien chaque année. J'ai supprimé tout le bois mort. Il n'y avait pas de porte-greffe qui repartait ici, donc j'ai pas eu à intervenir là-dessus. Et il me reste encore. Voilà, il me reste encore ce petit rameau ici qui ne sert à rien. Voilà. Ça, c'est un arbre qui est en train de pousser. Voilà. Un générable. Voilà. Voilà. Donc le bois mort également est supprimé, hein, vraiment avec beaucoup d'attention. Il faut veiller à retirer tout le bois mort qui pourrait véhiculer éventuellement des problèmes phytosanitaires, etc. Hop, j'en ai encore un peu ici d'ailleurs, voilà. Voilà. Et vous voyez que ce rosier finalement est assez bien rapproché de sa souche, voilà, qui commence à avoir de l'âge, hein, celui-ci. Et taillé de cette manière, c'est une manière de garantir une excellente floraison pour l'année à venir. Encore une fois, le rosier fait partie, en tout cas le rosier du type polyanta comme cela, fait partie des plantes, des végétaux pour lesquels la taille annuelle systématique est préconisée. La taille élaborée donc au printemps, là maintenant, et puis un rabattage des terminaisons qui ont fleuri simplement avant l'hiver.
À l'aide de ces trois exemples, je vous montre quelle est la coupe idéale à laquelle il faut procéder. Sur le premier échantillon, on peut constater que la coupe est beaucoup trop longue, la partie supérieure va se dessécher, c'est ce qu'on appelle un chicot. Sur le second échantillon, la coupe est réalisée beaucoup trop près du bourgeon qui se retrouve en danger, et quand bien même s'il venait à démarrer, il y a un risque d'arrachement en fin de compte de la branche qui pourrait naître à cet endroit-là par la suite, quoi. Enfin, sur le troisième échantillon, la coupe est tout à fait bien réalisée, à environ 1 cm de l'œil ou du bourgeon, avec une pente en plus opposée à ce bourgeon. Donc voilà, on voit ici ce qu'est un œil, hein, ce qu'on appelle un œil sur le rosier, c'est le bourgeon en fait, hein, dormant sur lequel va pouvoir s'effectuer le départ d'une nouvelle feuillaison. Et la coupe donc que j'ai effectuée ici à peu près 1 cm au-dessus. Alors on peut voir ici sur cette extrémité de rameau deux bourgeons, deux yeux. Hein. Il y en a un ici et il y en a un là qui est un peu plus démarré. Mais en réalité, c'est bien sur celui-ci que je compte pour démarrer en cours d'année et porter le rameau à fleurs. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est que je me suis volontairement séparé de la prolongation de cette branche ici qui était assez importante, de manière à rapprocher le rosier de sa base au profit donc de ces deux autres rameaux ici, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus proches de la souche, qui vont sur cet œil ici et sur un autre œil sur l'autre rameau pouvoir assurer eh bien la prolongation hein, de l'arbuste et sa floraison pour l'année à venir. Un autre exemple encore. Avec cette grosse branche que j'ai arrêtée ici, au profit des deux rameaux plus jeunes situés juste en dessous. Donc il y a déjà un œil ici qui est en train de démarrer sur cette partie feuillée, c'est très bien. Et on a le deuxième ici qui porte un œil bien orienté, qui va pouvoir assurer le départ de l'autre côté. Donc quelques règles s'appliquent hein, de manière à nous permettre de conduire une opération de taille des rosiers tout à fait correcte. Néanmoins, et ça c'est très 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 important, j'insiste beaucoup là-dessus, il y a autant de manières de tailler qu'il y a de tailleurs. Et c'est aussi votre sensibilité qui doit s'exprimer à travers une opération de taille. Ce rosier aurait pu être taillé très différemment par quelqu'un d'autre, tout en étant taillé aussi bien. Voilà, hein, ça c'est vraiment important. Il n'y a pas une bonne manière de tailler, il y en a plein. Dans la mesure où on est toujours conscient de ce qui est bon pour la plante et puis qu'on veille effectivement à respecter les règles de base que j'ai précédemment énoncées, eh bien il n'y a aucun souci, on peut tailler un peu plus long, un peu plus court, selon la personne, ça va parfois être assez différent. Ça fera un peu la différence, c'est quelque part la signature du tailleur et c'est très bien comme ça. Les rosiers vigoureux seront taillés un peu plus longs. Les rosiers un peu plus faibles seront taillés plus courts. Enfin, pour les rosiers remontants, supprimez régulièrement les fleurs fanées, cela favorisera l'apparition de nouvelles fleurs. Voilà, on se retrouve autour de ce rosier grimpant qui a déjà un certain âge et puis qui a un petit peu évolué voilà de manière un peu plus ou moins contrôlée et il va falloir le remettre un petit peu en état pour que bah, d'abord pour lui assurer une longévité effective et puis pour essayer de continuer à garantir une belle floraison l'année prochaine et puis en réintervenant régulièrement les années suivantes également. On peut remarquer ici qu'on a des très vieux bois là-dedans, d'autres rameaux beaucoup plus jeunes et l'idée un petit peu ça va être de eh bien de faire un peu le ménage, de supprimer justement un maximum de ce bois âgé au profit des jeunes rameaux qui vont assurer la charpente future de cet arbuste. Alors ici il est un petit peu il a grandi sur ce modèle-là un petit peu anarchique depuis pas mal de temps. On va pas trop le bousculer quand même, mais regardez-le bien.
quand on aura terminé, ce sera vraiment, il aura vraiment une autre allure. On l'aura débarrassé de pas mal de bois et encore une fois, vraiment pour son bien, hein, pour lui garantir, voilà, une certaine pérennité et puis une capacité, encore une fois, à fleurir correctement, durablement. Voilà. Donc, je vais faire et puis j'essaierai de vous expliquer en même temps de quelle manière je procède. Hein, l'idée étant simplement de raccourcir un tant soit peu le bois âgé. Alors on le voit, il n'a pas du tout la même couleur. Et de repartir sur le bois plus jeune. Alors ici, on a des pousses qui doivent avoir 2 ans, là, si je me trompe pas. Hein, puisque c'est des rosiers qui fleurissent bien évidemment sur le bois de l'année en cours. Donc le bois de 2 ans peut nous permettre de bien charpenter la plante. Et puis sur les pousses de l'année, hein, sur les yeux qui sont en train de démarrer, là, sur les pousses de l'année, on garantira une bonne floraison pour cette année, quoi. Je repère le bois mort pour le supprimer. Si nécessaire, je coupe ce bois en plusieurs sections pour le retirer plus facilement. À ce stade, je différencie déjà le très vieux bois des jeunes rameaux d'un an ou deux, bien vigoureux. Je supprime sans remords les vieilles branches jugées trop vieilles. Je les rapproche au maximum de la souche, en préservant les jeunes rameaux éventuellement portés par ce vieux bois. Je conserve quelques rameaux latéraux que je raccourcis. Ils assureront le départ de nouvelles ramifications florifères l'été prochain. La remise en état de ce rosier aura pris environ 2 heures. Alors voilà, donc il est terminé ce rosier. Ça se taille de quelle manière? Eh bien, sensiblement de la même manière qu'un polyanta arbustif. On va néanmoins chercher à retirer beaucoup de ce vieux bois. Alors ici, je l'ai conservé parce que je voulais pas que ma copine fasse une syncope dans la mesure où j'aurais enlevé trop de branches. Mais de manière académique, l'idée, c'est vraiment ça. On retire ce vieux bois et on conserve des jeunes rameaux comme celui-ci qui vont prendre le relais en quelque sorte du vieux bois et assurer une nouvelle jeunesse au rosier. Donc ici, j'ai néanmoins conserver cette vieille charpente qu'on sera amené à supprimer peut-être sur 2 ou 3 ans, hein, puisque là il s'agit vraiment d'une taille de régénération en fin de compte. Et j'ai conservé sur les côtés un certain nombre de rameaux très courts, taillés à 3 yeux plus ou moins. Ces rameaux, on le voit ici d'ailleurs, donnent des yeux qui sont en train de démarrer, qui vont donner eux-mêmes de nouvelles branches sarmenteuses, c'est-à-dire très très longues et très flexibles. Et ce sont ces rameaux sarmenteux qu'il va falloir venir palisser sur la structure. Donc on en a conservé quand même un certain nombre, on arrive ici jusqu'au bout, hein, voilà. Donc c'est quand même, la structure reste bien habillée, et ce rosier régénéré est reparti pour une belle floraison, quoi. Hein, voilà. Il y avait beaucoup beaucoup de bois mort dedans, énormément. Donc ça, c'est un peu le manque de lumière, c'est les rameaux qui meurent de manière un peu naturelle aussi. On dit que l'arbuste s'auto-élague en quelque sorte. Hein. Donc il convient quand même sur le plan sanitaire, c'est quand même intéressant de supprimer ces rameaux-là. Et puis toujours tailler à proximité d'un œil, environ 1 cm. Je dirais de l'œil, avec un œil bien orienté, hein, de manière, je vois encore, voilà, ça c'est le genre de choses à ne pas garder, ici un chicot, voilà, comme ça, voilà, on est vraiment bien propre, là, une coupe franche, nette, propre, et non pas du bois qui risque de développer des champignons, des choses comme ça, qui pourraient ensuite poser problème au rosier. Voilà, donc là on est reparti sur un beau grimpant qui va de nouveau s'étoffer, de nouveau produire des rameaux jeunes et vigoureux qui vont porter un maximum de fleurs, puisque toute l'énergie puisée dans le sol par ce rosier sera désormais acheminée vers un nombre réduit, hein, de bourgeons par rapport à l'avantail, hein, évidemment. Donc là, on a supprimé énormément de bourgeons qui allaient bénéficier de cette sève. Cette sève va permettre donc à la fois une croissance vraiment vigoureuse, hein, de ce rosier, et surtout d'alimenter le rosier en énergie quand il en aura besoin pour assurer sa floraison. Hein, voilà. Donc ça peut paraître un peu brutal,
Alors qu'en réalité, je considère avoir été très très soft hein, sur la récupération, on va le dire comme ça, de ce rosier qui est apparemment âgé d'une dizaine d'années seulement, alors, et ça, qui montre bien sa vigueur hein, puisqu'il a une très très belle souche hein, ici. On voit que on a affaire à un rosier extrêmement vigoureux, quoi. Voilà. Alors après le rosier grimpant, ces rosiers ici qui n'ont pas été taillé depuis une dizaine d'années. À gauche, les produits, à ma gauche, à votre droite, les produits de la taille. À ma droite, le rosier taillé. Donc encore une fois, j'aurais pu en tout cas être beaucoup plus sévère. Là encore, j'estime qu'on peut largement répartir, disons, le travail de rééquilibrage sur 2 ou 3 années, ça me paraît bien, d'autant plus qu'ils sont malades. Bon voilà, peut-être pas trop non plus les choquer. Ça peut paraître radical, hein, drastique hein, comme taille. Je vous assure que ça ne l'est pas du tout et que, en fin de compte, ces rosiers gagneraient à être suivis un peu de la même manière chaque année. Là, c'est encore une fois une intervention un peu de reconditionnement hein, de ces plantes. Hein. Ça ne représente pas le modèle à suivre sur des rosiers qui sont suivis, bien entendu, de manière régulière chaque année, quoi. Hein, voilà. C'est aussi pour moi l'occasion de vous montrer qu'il est possible de reprendre en main peut-être des rosiers un peu âgés comme ça et puis qui ont été un peu livrés à eux-mêmes, ce qui les empêchait pas de fleurir d'ailleurs, hein, ils fleurissaient très bien. Hein. Mais voilà, c'est vrai qu'ils ont développé un certain nombre de problèmes là et bon, j'ai bon espoir de sans doute raisonnablement prolonger un peu leur durée de vie en intervenant à l'avenir de cette manière chaque année, hein, avec une taille qui se veut à la fois sanitaire, hein, supprimer le bois mort, encore une fois, les branches qui ont tendance un peu à se croiser, etc., et encourager ce rosier à se développer vers l'extérieur de lui-même, de manière à bien laisser entrer la lumière dedans aussi, quoi, hein, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Je doute pas que ce que je vous ai montré là puisse susciter un certain émoi, peut-être même chez certains d'entre vous. Et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao!